Un appel pour vous, Madame Andersen. Merci. Allô? Madame Andersen, je vous annonce que vous allez avoir bientôt une grosse somme à payer. Voyez-vous? J'ai votre fille Eva avec moi. Je veux qu'il n'y ait aucun doute dans votre esprit, Madame Andersen. Alors, je vais vous laisser parler avec elle. Mais je vous avertis, pour sa sécurité, ne quittez pas. Allô? Allô? Mais qu'est-ce qu'il y a? Je n'en sais rien, c'est un homme qui parle d'Eva. Vous êtes toujours là, Madame Andersen? Oui. Dites-le lui. Maman, fais ce qu'il te demande. Obéis à tout ce qu'il voudra. Donne-lui tout. Obéis, sinon il va me tuer. Ne le laisse pas me tuer. Eva! Obéis. Madame Andersen, vous allez rentrer chez vous. Vous y trouverez une lettre qui vous y attendra. Elle vous indiquera la marche à suivre. Mais je tiens à vous avertir. Si vous informez la police, je la prendrai immédiatement. Et comme Eva est la seule personne qui puisse m'identifier, je devrai la tuer. Faites comme chez vous. C'est un peu sombre, mais ça ne durera qu'un jour ou deux. Prévenez la police. Non. Vous vouliez mon avis, je vous le donne. Non, il a été très net sur ce point-là. Il a dit que si j'avertissais la police, on le préviendrait. Non, je refuse de courir ce risque. Je crois que vous commettez une grave erreur. Eh bien, j'en accepte la responsabilité. Entendu. Si vous acceptez, nous allons faire comme il le veut. La rançon est prête? 1 000 000 de couronnes en coupure usagée. Hélas, nous n'avons pas eu le temps de noter les numéros. Et vous dites que la lettre était là quand vous êtes arrivé? Oui. Oui, elle indiquait que je devais venir ici, réunir la somme demandée et ensuite ne plus bouger avant qu'il téléphone.
Donne ça à Paul, qu'il travaille là-dessus. Très bien. Vous savez, en arrivant, nous avons appris qu'une suite complète était réservée depuis une semaine. C'est exact. La réservation doit remonter à plusieurs jours. Beau travail. Eva. Oui. Il y a une maison à vendre sur la route d'Elsener, à 10 km de l'hôtel que je vous ai trouvé. Vous avez l'argent? Oui. Je vous attends là-bas, dans exactement 30 minutes. Monsieur Roll, pensez à elle. Il faudra faire ce qu'il dira. D'accord. C'est vous qui l'aurez imposé. Mais je tiens à ma liberté de manœuvre. D'accord. En tout cas, ramenez-moi ma fille. Et en vie. Oh, je m'excuse, je croyais avoir affaire à un rôdeur. Je surveille cette propriété. Que faites-vous ici? Oh, mon chéri, cette maison est merveilleuse. Il faudrait revenir. Permettez-moi, voici ma femme, bonjour. Gwendoline. La maison est en bon état. On peut en faire quelque chose de très bien. Oui, enfin, elle aurait besoin d'un sérieux plâtrage. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Rien, des papiers. Ouvre-la. La propriété n'est pas à vendre. Elle sera bientôt démolie. Je vais repasser ici dans une petite heure et je ne veux plus vous trouver ici. Notre homme devait surveiller. Il est sûrement loin. Allons-nous-en. J'ai droit à une question. Attends. Vous savez que vous êtes très malin, Harry Roll. Harry. Si vous nous jouez encore un tour, tout sera fini. Soyez au café Scott demain matin à 10h. Tu crois qu'il essaiera de ramasser l'argent au café demain matin? Non, je crois qu'il se déplacera constamment et très vite afin d'éviter qu'on l'attrape. Demain, je pense qu'il va me faire visiter Copenhague.
Bon, ben, en rentrant, je ferai changer les verres. Il y a des mois que tu le répètes. Ouais, oui. Pourquoi n'achètes-tu pas une loupe comme celle des grands détectives? Comme ça, tu ressemblerais à Sherlock Holmes. Est-ce que Paul a des résultats? Il est encore en train de courir les ports et de poser des questions. Eva était sortie en bateau le matin où elle a été enlevée. Mm. Sur son bateau à elle. Il n'est pas revenu au port et on ne l'a pas retrouvé. Alors, tu penses que l'enlèvement s'est passé en pleine mer? Mais pourquoi pas? Quand un bateau est en difficulté, il est tout à fait normal qu'un autre bateau s'en approche. On n'y fait pas attention. Ah, ça a très bien pu se passer ainsi. Et dans ce cas, il y aurait un autre bateau d'impliquer. Oh, ça ne nous avance pas beaucoup. Ah, pour l'instant, rien ne nous avance. Nous n'avons que deux lettres et un coup de téléphone. Mm. Excusez-moi, je cherche cette jeune fille. Vous ne l'auriez pas aperçue? Non. Mais regardez bien. Ah non, monsieur, non. Non, non. Hé, hey, dis donc, qu'est-ce qu'il t'a demandé, ce gars-là? Pour vous, monsieur. Oui? C'est moi. Je suppose que vous représentez Madame Anderson? En tant qu'avocat, c'est exact. Bien. Alors, pour me prouver votre coopération et votre bonne volonté, vous irez là où je vous l'indiquerai. Et ce sera votre dernière chance. Si à un moment ou à un autre, je vois que vous essayez de me jouer un tour, alors ce serait très grave. Et Eva serait bientôt... tué. Alors, Frédéric Scholm, Canal, dans 20 minutes. Ouais, un petit mot encore. Vous avez l'air d'un homme beaucoup trop redoutable. C'est pour ça que la femme avec vous... Qu'est-ce qu'il y a? Il nous regarde. Tu connais cette manière de procéder? Mm-hmm. Le kidnappeur te fait marcher et tu aboutis dans un endroit choisi. Et là, il peut te tuer. Ah oui, on m'a souvent rapporté ces histoires. Mais pourquoi est-ce que tu parles de ça? Parce qu'il veut que tu sois le payeur. Toi et personne d'autre. Bonjour. Tenez. Qui t'a donné ça? Monsieur Roule, dites-moi, est-ce que ma fille a une chance de s'en sortir? Je n'en sais rien. On ne peut rien dire. En tout cas, elle doit être encore en vie à l'heure actuelle. Et une fois que nous aurons payé? Il faut la retrouver avant. Roule! Oui, Paul? J'ai une piste, Harry. Oui, auprès d'un marin. Il a vu un voilier rouge du modèle de celui d'Eva accosté par un bateau à moteur hier.
Oui, il en est certain, bien sûr. Un marin dit qu'hier, un petit voilier rouge armé comme celui d'Eva a été abordé par une vedette. Oh, c'était sûrement Eva. D'accord, j'arrive tout de suite. Caroline, non, aucune nouvelle. D'accord. Utilisez la radio. Dites qu'on appelle d'urgence ce numéro et qu'on répète ceci. Ça va. Allez-vous-en. Posez votre sac. Où est Eva? Elle sera remise en liberté ce soir. Quelle garantie me donnez-vous? Aucune. De toute manière, je n'ai pas à vous en donner. Et vous n'êtes pas en position de marchander. Maintenant, allez-vous-en. Et attention, je vous observe. Ne faites surtout aucun mal à Eva. Vite, allez-vous-en! J'espère que vous avez les billets. Oui. Paul. Caroline est dans une fabrique de tuyaux située près du port. Ça ne peut être que celle-là. Nous avons réussi. Qu'est-ce qu'on fait d'elle? Non, rien. Il a réussi à s'enfuir. Il était aussi dans le coup. Monsieur. Est-ce qu'il y a une récompense à toucher? Que savez-vous? Ça dépend de ce que ça pourrait valoir. Dites-moi ce que vous savez, une fille va être tuée. Alors ça vaut un peu plus que je l'espérais. Écoutez, nous sommes pressés, vous fixerez votre prix après. Regardez ses chaussures. Il est sûrement monté sur le bateau qui est dans le port. Quel bateau?
Ah, c'est trop tard, il est parti. Bon, donnez-moi une description du bateau ou un autre indice. Vous êtes toujours d'accord pour payer? Je crois savoir d'où cette peinture vient, je l'ai vue plusieurs fois. Où ça? J'ai dit où ça? On en trouve des tonneaux tout rouillés qui coulent un peu partout. Ils sont abandonnés depuis des années. Où est-ce? Sur une petite île, l'île du Fort. Toi, repère à l'hôtel. D'accord. Il nous faut un bateau. Ouvrez cette porte. Je vous dis d'ouvrir cette porte. Eva, je sais que vous m'entendez très bien. Écoutez, je viens pour vous ramener chez vous. C'est terminé. L'affaire est réglée maintenant. Votre mère a payé. Tout est réglé. Eva. Vous savez, il faudra bien finir par sortir. Ouvrez cette porte, allons. Vous n'avez pas confiance en moi, Eva? Soyez gentille, ouvrez cette porte. Pauvre idiote! De ce côté.